Bonjour, je m'appelle Rudy Hook. J'ai travaillé chez ST de 2007 à 2010 sur le site de Rousset en tant qu'ingénieur d'application RFID. À l'époque, je travaillais sur un produit qui s'appelait M24LR64. Et donc, c'était côté tag, côté mémoire, accessible en RF et aussi en I2C. Je voyais en fait aussi mes collègues travailler à côté sur des readers. À l'époque, le ST25R n'existait pas encore. Mais aujourd'hui, donc, je suis cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Blue Griot, bureau d'études en objets connectés. Et j'ai la direction technique de l'entreprise. Lorsqu'on fait du design hardware, je prends plaisir à regarder le catalogue des produits ST. Je me tiens à la page. Et on a intégré, par exemple, ce reader, le ST25R, dans un cintre connecté qu'on a fait pour les Galeries Lafayette. J'ai repris habitude à ouvrir les outils de développement et les petits logiciels qui sont développés pour accélérer un petit peu les développements qu'on fait sur ce produit. Donc depuis ce beau projet avec les Galeries Lafayette, on continue à innover, on a d'autres clients, de nombreux clients, et on continue à utiliser des produits ST, alors du microcontrôleur. On a des produits qui intègrent du STM32, et il y a un composant qu'on apprécie particulièrement, c'est le Time of Flight. Qu'on utilise sur le VL53, L0 et L1X beaucoup. C'est vrai qu'il répond à beaucoup de cas d'usage client en fait. Quasiment à chaque fois, on arrive à placer un TOF qui répond bien en cas d'usage. On fait partie du ST Partner Programme depuis quelques années maintenant. Et on accompagne ST sur quelques événements à la Fondation Louis Vuitton il y a quelques années. Là en ce moment sur le Cido à Paris. Et puis on espère que cette collaboration continuera comme ça.